Ok, c'est parti pour l'avant-dernière partie de Prytoner Experiment. On enchaîne donc sur le niveau 21. J'avais fait un peu le ménage juste avant de quitter la partie, puisque je me faisais agresser direct. Hop, on va aller là. J'ai très peu de manœuvres là. Vache. On se fait bien agresser dès le début. C'est marrant, hein, c'est la musique de l'interlude qu'on a comme musique de fond. Pour ce niveau. Est-ce que c'est un remake du niveau de Doom 2 là? Un truc circulaire là. Au milieu. Je vais essayer d'atterrir là. Hop, c'est bon. Alors, apparemment, il y a encore de la mitraillette quelque part. Pas s'empêcher de mettre cet ennemi, hein. Décidément. Grand fan de cet ennemi là, quoi. À cet endroit. Enfin, cet effet là de. Enfin, après, c'est le. C'est Doomsday hein, qui donne cet effet là, mais c'est. Ça rend assez bien. Voilà, donc premier interrupteur activé, je ne sais pas ce que ça a fait. Oh, putain, d'accord, ça a libéré des cacos là, au fond. Un peu. Attends, je vais tomber là, on va voir ce qu'il y a. C'est encore ce démon. Putain, comme il arrive en piqué celui-là. C'est énorme. C'est énorme ce qu'il nous a fait là. Je sais pas, je trouvais qu'il descendait hyper vite quoi. Putain, mais lui aussi. Qu'est-ce que vous avez là? Vous êtes boosté ou quoi là? Non, c'est bon là. Bon. Je viens, donc il n'y avait rien en bas. Là, je suppose que non. Il faut la clé rouge. Elle est pas mal cette musique aussi. Hein. C'est con qu'on l'entend qu'à l'interlude parce que le thème est assez sympa quoi. Putain, dégage toi. Oh, j'ai failli me le prendre. C'est bon. Allez, c'est parti. Putain.
chier, le diablotin là, qu'est-ce qu'il a à bombarder comme ça, quoi. Là, je sais pas jusqu'où ça descend, ça. Voilà, ça fait du bien, ça. Toutes ces munitions là, j'aime bien ce bruit. Bien, la clé rouge, donc la porte est là. Hop. Apparemment, il y a du mouvement là-bas. C'est quoi ça? Il est là-bas. Oh putain, il est en train de repopper tout le monde. Leur saloperie. Putain, je suis où? Putain. Ah, j'ai fait un vol. J'ai rien pigé, quoi. Bon, en tout cas, merde. Par là, hop, non, tu es pas. Voilà. Ok. Et voilà, fin du premier niveau. Bon, ça a été assez rapide finalement. Mais waouh, c'est chaud quand même. C'est vraiment purement de l'arcade. Bon, après voilà, vous voyez, ils disent que maintenant on est sur Terre, vous plutôt en enfer. On voit pas trop de différence, hein, franchement. C'est vraiment histoire de dire quelque chose sur l'histoire, quoi, mais franchement, pour Doom, il y en a pas besoin. Enfin, le simple fait de dire que on a ouvert une porte interdimensionnelle avec l'enfer, c'est simplement suffisant, quoi. Pas besoin d'inventer plus. Bon. C'est bon. D'accord, clé jaune là. Putain. Encore une fois, ils sont encore dans ce niveau, hein, ceux-là. Je me ferais bien. Prenez ça. Putain, le truc me suit. Ultra bien, c'est bon, on s'en mord. Clé rouge, clé bleue. Par quoi? Par quoi? Bien planqué en plus. Donc, j'ai trouvé toutes les portes de couleur. Donc, il y a la clé rouge. Je peux pas y aller. Ah, ça me fait pas mal. Non, tant mieux. Parce que là, franchement, avec tout ce qu'il y avait là, je perdais toute ma vie. Il y a rien. Apparemment, la clé bleue. Hop. Donc j'ai la clé bleue, je vais pouvoir aller passer une porte. Ça me fait mal, pas. Pareil. La clé rouge, c'est ça là-haut? Non, c'est un interrupteur. Ça va falloir le faire baisser. Putain. Hop, on se prend plus la tête. Rien pigé. Là, j'ai rien vu du tout, j'ai rien pigé.
D'accord. Les piliers sont descendus. Je sais pas, je pense qu'il y avait des piliers avant. Ah non, c'était de la flotte. Enfin, de la flotte. Façon de dire. Donc, du coup, il s'est tombé des tuyaux. Bon. C'est cool. Continuons par là. Ah, faut la clé jaune. Bah ouais, mais je l'ai pas ça. Eh merde. Bon, en tout cas, je sais quel chemin faudra prendre. Par contre, bah ouais, j'ai pas la clé. Attends, peut-être qu'il y a moyen. Maintenant. Cette clé, mais faudra que j'aille sur ce téléporteur, on dirait. Je trouve l'endroit. Ça, je prends. Faut trouver où va ce téléporteur là. Ça, je peux pas le monter. J'ai pas fait de l'autre côté, on dirait. Ouais, mais y'a rien. Putain, je sais pas ce que ça a fait, ça. Je serais bien allé, mais je peux pas. On va essayer de trouver la clé jaune. C'est peut-être en dehors de ça. Parce que là je vois pas trop quoi. La clé jaune va permettre. Putain, mais ça permet plein de trucs là. Ah, je suis pas encore passé par là, on dirait. Ouais. Ça marche. On va donc explorer cette zone. De la merde dans les yeux, j'ai l'impression. Voilà, c'est ici. Ok, hop, je me récupère ça. Pouf. Alors, d'ailleurs, bon, quand même. Parler un petit peu. Hein. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Vous avez parlé une fois, bah, surtout sur TNT Evolution. Vous avez demandé si ça vous intéressait que je fasse un donc un WOD que j'avais connu quand j'étais mom, enfant, on peut dire. C'est pareil, je suis con. Pour concernant le WOD Memento Mori 2, plutôt le premier, puisque je connais pas le 2 en fait, mais en tout cas Memento Mori. Je l'ai refait un petit peu là récemment, c'était pour tester un peu du streaming en live de Doom avec ma connexion. Bon, bah, c'était un échec.
c'était un échec quoi, c'est pas la peine dans la DSL de streamer du Doom. C'est moche à souhait et y a pas d'intérêt quoi. Bref, c'est pas la question. Et donc, j'y ai rejoué un peu, j'ai fait quelques niveaux et franchement j'ai repris plaisir à le faire quoi. Et j'ai vraiment pas mal de souvenirs des niveaux quoi. C'est revenu assez vite. Donc je serais bien intéressé de le faire, mais à la limite je vous le demande parce que sinon je le ferai en off quoi. Enfin je veux dire, je le ferai pour moi. Est-ce que ça vous intéresse de voir ça en vidéo? Ou est-ce que ça fait trop de Doom hein? Parce que c'est vrai que déjà Final Doom, ça va en faire déjà 12 vidéos en tout. Ça risque de... Putain, encore la clé jaune là. Ça peut faire beaucoup à force. D'accord, là j'ai pas mal. On va prendre son temps. On se planque et on attend. Putain, mais il crève pas hein. Pourtant là je pensais qu'il allait crever avec avec les salves de l'arachnotron. Laisse tomber quoi, t'en sors pas là. Ah d'accord, j'ai pas vu que le démon s'en prenait plus à l'autre. Là normalement il s'en prend au baron de l'enfer, mais il avait changé de cible. Ça je savais pas qu'il pouvait changer de cible les démons. C'est-à-dire une fois qu'il s'occupe d'un ennemi, remarque non. Je dis une connerie parce que... Merde. Par exemple l'Arkville. Non, enfin je le visais pas là. Non je sais pas. Oh, je sais pas. Enfin bref, ce que je veux dire par là c'est que normalement un ennemi qui en veut à un autre ennemi, ben, il va pas le lâcher jusqu'à ce qu'il le tue ou qu'il se fasse tuer. Par contre si on tire sur l'ennemi pendant qu'il s'occupe d'un autre, là il va peut-être changer de cible. C'est le cas pour l'Arkville en tout cas. C'est bon. Bon, on a fait le nettoyage en étant sol. Maintenant ça va mieux. Ok, donc là ça sert à rien. Putain, ne tombe pas. Bah, donc on va falloir lever le pont là. J'ai du shell là, j'y vais. Hop. Putain, là. Ok. Chapter moins. L'autre au-dessus là. Hop. Voilà, c'est bon. Putain, je crois que je m'étais gouré de boutons, mais non. Ah, ça fait lever le pont, très bien. Bon, on est sur le bon chemin. Encore un truc là. Putain, c'est pas vrai. Là. Il y en a trop de ces ennemis là. Il y en a de trop. Ah, super, j'ai chopé la clé jaune. Ah, puis l'interrupteur, attends, ça doit être ça. Alors que. Hop, hop. Voilà, parfait. Bien, voilà, je peux pas. Il va falloir que j'aille activer un interrupteur qui ne nécessite. Putain, ils sont où? Putain, merde, j'ai de la merde dans les yeux. Qui nécessite donc cette clé jaune. Putain, je suis dans la merde.
Putain, mais ils arrivent à tirer alors que je... Ils se font tirer dessus, quoi. Putain, là j'ai besoin de vie, là, mais... Ah, ils sont chiants, hein. Voilà. Déjà, je vais mieux là. Donc, ce que je vois, c'est qu'il faut que je passe par là. Hop. Non. Ah putain, j'ai du mal. Voilà. Non, ici. Voilà. J'espère qu'il y a un interrupteur pas trop loin. Oh, putain, c'est quoi ce... C'est quoi ça? Super, donc c'est pas là, c'est génial. putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Attends, mais en face. Ah, mais c'est la sortie, d'accord, donc c'est par là. La sortie sera par là. Ah, mais c'est là que j'ai besoin de. Attends, normalement, je souffre pas. Ça, on l'avait vu. Oh putain, je commence à avoir mal aux yeux. Ah super. J'ai activé ça. Ce qui va me permettre donc de retourner. C'est un peu labyrinthique quand même. De retourner là, ouais c'est ça. J'aurais dû mettre un marqueur. Putain, je suis bloqué sur quoi là? Hop. Putain. Ah ouais mais... C'est bon, il est mort. Ça, ça chef, ça, ça enquête. Cet endroit, ça permet d'avoir de choper la clé rouge. Ok, c'est bon. Allez, on refait tout le tour. C'est génial. La carte, s'il vous plaît. Voilà, c'est par ici. Ensuite, par là. Ok, donc là, il y a la clé rouge. Alors, ce fait, je peux aller en face. Sans garder un coup, quand même. Merde, putain, je peux pas prendre ça. Dans les boules de feu, quoi. Aucune idée de ça. J'espère que ça fait baisser le... On va aller voir ça tout de suite. Est-ce que c'est là? Non, c'est plutôt là. Ah ah, ça y est. Fin du niveau. Mission impossible, tiens. C'était marrant, ça. Tombstone, maintenant. Ah, ça, c'est une musique de l'enfer, ça. Il est retiré d'un morceau de métal. Je sais plus le nom. Je sais qu'on jouait ce morceau dans... Oh putain, sur un Guitar Hero. Alors c'est excellent quand même. Hein. Savoir ensuite qu'il y a pas mal de morceaux de Doom qui ont été repris, enfin... ils ont pris des morceaux de métal. Bon, bah là je suis pas bien, déjà niveau vie, je suis moyen. Voilà, heureusement que ça faisait pas mal la lave. Pas vrai. Pas possible là.
trop mal. Il y a un ballon. Putain. Alors faut que je trouve de la vie quoi. La tortiller là, mais là je suis mal. Aïe 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 aïe. Compliqué la situation là. Voilà. Je sécurise salle par salle. Pas d'autre choix là. Oh putain, attends, je recherche. Ça, ça me saoule de me faire shooter dans le dos. Tiens, je prends l'appareil. Ah oui, hein. Fais-moi les malins hein, quand je shoot dans le dos là. Putain, je sais pas où c'est arrivé ça. Hop. C'est bon, je commence à aller mieux là. Le niveau a l'air un peu plus grand, putain. Il y en a partout. Ça s'arrête donc jamais. Ils réagissent pas les mecs là. C'est pas trop là. Ah putain, j'arrête pas de prendre des munitions alors que je veux pas quoi. J'ai plus de prendre ça. Hop. Ah là là, je m'en remets bien, je parle plus du tout, je m'en rends compte. Hein. Ah. Alors, fais voir la structure de ce niveau là. Bon, ça a pas l'air si grand que ça non plus, hein. C'est gigantesque mais c'est des grandes salles. Donc en tout cas, il y a besoin de la clé bleue là, de la clé jaune là. On va voir ce qu'il y a là. Con! Ils arrêtent avec ces ennemis là quoi. J'ai entendu le ballon là. J'espère qu'il va monter. D'autres qui vont arriver. Apparemment non. C'était les seuls ballons. Super. Même s'ils sont coincés, je préfère les tuer. Par respect. Puis surtout que. À tout moment, ils peuvent se téléporter. Ah, merde.
faire. Voilà. Petit secret qui permet d'avoir la méga sphère. Il faudrait que j'aille là. Putain, casse-toi. Oh, je vais en pleurer quoi. La porte pile poil à cet instant précis. Pas avant, pas après. Non mais putain. Tout est calculé au microseconde près quoi. Ah, c'est blasant. Ah, une clé. Moi ça. Hop. Dégagez, putain. J'ai pensé à esquiver, mais j'ai mis du temps à démarrer le strafe. Je suis coincé. C'est quoi ça? J'ai vu qu'il y avait d'autres. J'ai entendu d'autres cris là. C'est juste ça là? Non, il y avait autre chose. C'est pas grave. J'ai la clé bleue. Donc avec ça, putain, il y a pas mal de choses à ouvrir. J'ai ça. Hop. Ah, putain, cassez-vous. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Attends, je suis encore crevé. Seconde. Ah, le casque là qui me gênait. De toute façon j'étais foutu donc c'était pas la peine de continuer. Attends, je vais essayer la porte quand même. Avant, celle-ci. Putain merde, c'est pas la bonne arme, tant pis, ça a marché. Je voulais lui donner un coup de souris mais j'ai été bloqué. Ma main a été bloquée quoi. C'est énorme. Ok, donc là il faudra la clé rouge. Donc je pense que ce sera peut-être le chemin pour la sortie. Puisque là ça n'a rien apporté du tout concernant la clé bleue. Là, je peux pas passer, donc ça sert à rien. Ah, si je peux passer par là. Bon, on va le refaire. Ah d'accord. Attends. Hop, hop. Oh putain. Le gros tir contre le mur. Plasma, la tête. C'est bon. Maintenant je peux rentrer. Comme jeu, hein. Suffit de bien gérer les armes. Non, ça suffit pas parce que franchement, surtout des putains de réflexes par moment, c'est endurant, c'est très endurant. La clé jaune là-bas. Tellement de fumée que je vois pas. Ça va vite dégager avec les roquettes. Putain ouais, j'ai nettoyé la zone là. Ah, d'accord. Ah putain. Ah d'accord, ça va être. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Et ouais. Alors déjà, je les ai pas du tout vus arriver. Je sais pas ce qui s'est passé. Soit ça a popé direct sur ma gueule. Soit j'ai. J'ai plus de réflexe, j'ai rien vu en tout cas.
Ah non, d'accord, c'est monte, ça monte comme ça. Voilà. C'était là, au mieux. J'ai tout pris. Putain. Le sol me fait mal, mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai envie de prendre des munitions. Putain, je l'ai vu arriver pourtant, mais j'ai eu la flemme de bouger quoi. C'est encore mieux ça. Voilà. On va trouver le chemin à force. Voilà. Il doit y avoir un interrupteur quelque part. Alors, il faut la carte jaune, mais elle est là la carte. Enfin, c'est la clé. Passons ici. Ça c'est le rouge. Putain, c'est fabuleux. Par contre là, c'est pas très bien marqué, je vais mettre un marqueur. Ah, là j'ai peut-être fait. Ouais, super. Hop, ascenseur, et on va prendre cette clé jaune. Cool. Du coup je peux ouvrir ça. Un truc qui doit s'ouvrir. Ça s'ouvrira plus tard alors. Je sais plus ce qu'il y a là. Là c'est la clé jaune. Elle était à tête chercheuse direct. La clé rouge. Ok, donne-moi ça. Non. Hop. Putain, je vois rien avec toutes ces fumées là. C'est bon, je l'ai eu. Quoi? On a combien? Ouais, merde. Donc il y en a deux. Ah, fait chier. Là, il m'a visé direct. J'essaie de me faire le premier comme ça déjà. Ah. Putain, là, je l'ai eu les... j'ai eu les deux là. La vache. Encore. C'est bon. Ils sont tous morts. Oh, l'endurance quoi. L'endurance de ce WOD quoi. Bon.
C'est quand même plus calme que, franchement, pour l'instant, le niveau le plus abusé que j'ai eu, c'est le niveau 32. Merde, ah, je suis tombé. Merde, bah du coup, ah c'est con. Suis tombé. Ah oui, mais je suis au début. Putain, merde, faut que je retrouve le chemin. Je me rappelle plus. Ah putain. J'ai profité. Merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je les ai pas butés ceux-là? Putain, y'en a un là encore. Oh là là. Putain, et toi? Je sais pas d'où tu viens, mais me fais pas chier, quoi. Oui, donc je disais que le pire niveau que j'ai eu pour l'instant, quand même, c'est le niveau 32, où là c'était vraiment apocalyptique au niveau des monstres, quoi. Ça arrêtait pas, ça arrêtait vraiment pas, quoi. C'était du grand n'importe quoi, putain, mais d'accord. J'ai ouvert des sections là, j'ai l'impression. J'imagine même pas quand même. Je suis en train d'y penser là. Le tout dernier niveau du jeu, ça doit être assez épique. Hein. Ça doit être le merdier, mais. Hein. Ouais, ça doit être l'infamie totale, quoi. On verra. Hein. Donc, ici, je peux. Maintenant, faut que je chope cette clé rouge. Ouais. Hop. Direct, il tire ce con. Puis là, j'ai mal au pied. On se casse. On se casse de là, tant pis. Ah, d'accord. Bon, j'ai pas le choix. C'est où? Bon. C'était que ça. Alors, pop, 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 en face, à gauche. Merde, attends, faut que j'arrive à monter là. Ok, ouais, c'est là. Porte bleue, porte rouge. Téléporteur. Je sais pas trop, c'est quoi ça? Je peux rien faire là? Bon. Ah, il y a encore un truc à activer là. Putain. Ça va donc jamais s'arrêter, quoi. Ça peut-être. Voyons. Non, il y a encore un truc. Bon, je peux rien faire. Il y a encore un truc à activer. Alors là, je sais pas trop où. Ah, attends, attends, ici. Alors après, il y a peut-être un truc rouge. On va voir déjà. Parce que le truc rouge, j'ai déjà fait, non? Je suis pas sûr. Je sais pas, ça marche? Non, ah, non, non. Faut que je trouve l'interrupteur rouge. Interrupteur rouge, j'ai dû passer devant. J'allais vous dire, si vous voyez un truc rouge, dites-le moi, mais ça sert à rien, je suis pas en live. Putain, vous êtes allé là. Oh, j'en sais rien là. Attends, y a un truc normalement. Ah. D'accord, petite réserve. Ce niveau, il est quand même endurant. Là, j'ai déjà fait. J'ai quand même assez voir ce que c'est là en haut à gauche. Pour ça, il faut que je passe ici. Faire que je tombe. Ouais, on va essayer de voir ça là. Merde. Oh, putain. Ok, c'était que dalle. Je trouve des petits secrets par-ci par-là.
Je profite également pour récupérer des munitions qui traînent. Mais là, ouais, faut que je trouve ce putain d'interrupteur rouge là. J'ai pas trop d'idée où ça peut se trouver. Non. Bon, au pire des cas, là, je vais peut-être vous le mettre en. Faire une coupure et vous montrer où se trouve cet interrupteur parce que ça peut durer un certain temps aussi là. Donc là tout de suite. Ah, je crois que j'ai trouvé là. Ici là, je vois qu'il y a du rouge. Donc ok, faut que je fasse tout le tour. On va essayer de passer comme ça. Attends, je vais garder la carte. De toute façon, je crois que j'ai. Ah bah j'ai tué tous les ennemis hein, d'après le compteur en bas à gauche. Okay, comment je vais faire pour y aller là? D'accord. D'après ce que ça me dit, ici. Ouais, ici, là. Voilà. Le fameux interrupteur. Est-ce que je peux repasser par là? Ouais, là c'est bon, c'est... là je trace bien. Hop. C'est bon. Là on devrait pouvoir aller à la sortie. Et yes, c'est bon. Ah, c'était un peu de recherche là. Il fallait bien ça. Donc on est au niveau 24 je crois. Ok, donc j'en ai encore deux. Pour eux ils sont bloqués là. Il faut profiter là. Voilà, très bien. Putain mais... Encore une fois ils en ont mis hein. Et ça mais je pense qu'il y en aura tous les stages quoi. Ah, il y a de la vulnérabilité en bas. S'il y a ça, c'est à dire que ça va être chaud. Ah putain, attends, parce que c'est pas mal là de tomber. Tomber par là. Non? Carrément. Et hop, tu reviens là. Ouais, super ça. Bon, alors là, hop 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 hop. Ok, c'est bon. Ça se stabilise, tu dégages. Plus vite toi. Tu remontes. Allez, monte. Putain, mais il montait super vite là. Bon, tant pis, je vais les laisser. Donc, ça m'a permis de faire du nettoyage. Ouais, là il y avait. Il y avait les revenants là, j'ai buté au loin. On va essayer d'y aller. Oh putain, je me suis carrément raté mais complet là. Sur la diagonale. Ah oh, mais attends, je fais n'importe quoi là, je synchronise pas mes touches. Donc, du coup c'est de la merde. Voilà. Enregistré là. Voilà, là c'est mieux passé. Ah d'accord, j'étais foutu juste devant. Ah putain, faut que je refasse le... Hop, c'est bon. Putain, ça explose pas là. Voilà. Un peu de justice quand même.
Foutez-moi la paix là. Voilà. Donc là, il y a trois interrupteurs à activer. Putain, il m'a fait mal lui. Il y en a que deux ? Je crois qu'il y en avait trois. Putain, il n'y en avait pas un là ? Apparemment non. Non, il n'y a pas d'interrupteur là. Il y a un truc qui monte là. Ah ok. Je sais pas à quoi ça va me servir cette boule d'invulnérabilité là. Pardon. Passer par là. Putain. Encore de la mitraillette là. Un cyberdémon. Putain, il est de la base quoi. Fait chier parce que la sortie va être là, c'est obligé. Putain, dégage toi. Oh putain. Oh putain. Putain, comment je vais faire là encore une fois? J'étais obligé de faire un truc. À la barbare, comme ça. Ça descend pas là. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est là? Fait chier quoi. Alors attends, petite pause. Ok, de retour. Faut que je réfléchisse à une stratégie là. Revenant aussi là-bas. Ah mais attends, il y a ça là. Ah, je comprends mieux là comment ça marche. Attention, c'est le missile. Putain. Ah oui, attends, je vois plus rien. Ok. Je suis gaffe de pas foutre des pets au micro. Pas vu ça. Furieux là. Ce cyber. Ok, c'est pas compliqué quoi. Je vais attendre un peu, ça monte, voilà. Donc, faut que je dégage en premier. Oh l'enfer! Oh l'enfer du truc! Allez. Ça me fait pas mal la lave, heureusement. Putain, j'ai déjà tout à fond là. Attention, missile. Il y a un caco qui m'a vu. Hein. Je sais pas d'où, mais. Ah, ça doit être la sortie, ça là-bas. Ouais, ça a tout l'air. Dégage. On va rester là un petit moment. Je peux plus rien faire. Putain, j'essaie de garder un mauvais endroit là. Je suis passé à travers. C'est un fake? Ah non. Ok. Oh.
Aïe aïe aïe! Oh putain! Ouais, tu m'étonnes. Je sais pas si j'aurais dû enregistrer là. Je l'ai bien pris in the face quoi. Putain, mais comment tu veux faire là? Écoute, si je prends ça. Ah bah d'accord, ok. Tout simplement quoi. Bon bah tant mieux. Pas besoin de se prendre la tête à essayer de le buter, putain. J'ai pas le droit de me poser 5 secondes hein. Dégage. Je reste là et je sauvegarde. Donc là c'est le dernier niveau de cette partie. Putain, sans déconner, aucun répit quoi. C'est vraiment... Je crois que Memento Mori est plus simple. C'est super bien conçu tout ça. Franchement j'adore comment les niveaux sont conçus. La difficulté est vraiment plus basse quoi. Mais je le trouve vraiment très bien, comme je disais, ce Plutonia Experiment. Parce que vraiment, c'est... bah, il y a du gros challenge, et les niveaux sont plutôt très bien conçus, je trouve. Ils sont pas très longs, heureusement. Et ça, je trouve ça cool, justement, je préfère des niveaux assez courts. Ils sont pas très longs, et, mais vraiment bien dynamiques, quoi. Ça, on m'avait pas menti là-dessus... Donc quoi, s'il était vraiment... c'était un des plus durs, quoi. Et tant mieux, quoi, c'est du challenge. Moi, j'aime ça. Putain, merde. Oh, et merde, il me suit encore. Putain, mais c'est fou, comment ça me suit bien, quoi. Du coup, j'ai tellement fait une grosse fuite que je sais même plus par où j'étais passé, quoi. Ok, tout est là. J'aurais pas dû faire ça. Je vais le regretter. Hop! Quoi? Ah d'accord. Pas plus que ça. Ça c'est de la merde. Putain, je suis coincé! Oh non, mais encore eux! Non, par contre, ils ont un peu abusé là de ce genre d'ennemis. Dire ok, c'est gentil. Au bout d'un moment, c'est un peu marre. C'est con. Toi tu veux pas crever. C'est décidé, toi tu veux vraiment pas du tout crever. Ok. Alors attends, parce que je pense qu'il y a encore des connards ici. Alors, et je fais une grosse connerie. C'est quoi cette mise en scène? Bon. Non? Oh putain! Oui, oui, oui. Attends. Hop, hop, hop. Ça c'est cool. Putain, n'importe quoi. Attends, laisse-moi prendre ça. Oh putain, je me suis fait one-shotter. Mais violemment, quoi. Oh putain.
On fait ce qu'on peut. Hein. Oh putain, tu me planques. Merde, je suis coincé. Ces araignées là. Voilà. Je pense que je vais me finir le jeu là aujourd'hui. Là j'ai encore un peu de temps après pour faire notre partie quoi. Si à chaque fois si ça dure une heure ça va aller quoi. Ça va aller. Là il me faut la clé bleue. Est-ce que c'est marqué oui? La clé jaune prendra la clé rouge. Clé rouge qui permettra de faire ça. Ok, le niveau est grand, ouais, ça a l'air. Oh putain. C'est bien rouge là. Putain, comment il monte. Ça me fait marrer parfois. C'est super bizarre. Hein. Il y a des moments où ils ont des mouvements ultra rapides. Je sais pas pourquoi. Oh, ok, allez. C'est bon. Les jaunes. Le pont avec des petits diablotins là. Éclater direct avec ça. Hop, planque-toi. Ouais, je crois que j'ai plus l'occasion maintenant. Bleu déjà. Putain. Sympa. Ah, cassez-vous sans deck. Insupportable ces ennemis quoi. Alors là par contre, je me demande comment on fait pour aller au-dessus. Putain, il y a des cellules là. Ah, super. Génial. Hop. Je sais pas ce que c'est ça par contre là. J'ai activé un truc là permanent. Pointe vers le bas donc bon écoute, je sais pas on va continuer donc, le jaune permettait d'ouvrir le rouge. Ah, c'est là. Ah, c'est la sortie ça peut-être, sauf que bon je peux pas l'ouvrir. Ah, ok. Ah, ok super. Interrupteur. Putain, je sais pas. Merde! Oh putain, je me casse par là. Ça va être l'enfer. Ok, je suis mort. Peut-être pas. Si, si, je suis. Il y a une tenue là, faut que j'y aille, mais il y a deux revenants qui le protègent. Donc ça va pas être forcément évident quoi. Déjà, on fait ça, ça. Ok, on sauvegarde et on va essayer de. Putain, fuck. Ah putain, puis les gars, la mitraillette, sans déconner. Vous me faites chier quoi. Vous me faites chier d'avoir mis ça tout le temps. Ok, laisse tomber. Ah là-dessus.
C'est une horreur. Voilà, très bien. Hop, on prend ça. Alors, ils sont où ces connards? Ils sont là. Putain, mais ils crèvent pas, hein. Leur tire dessus. Ah, putain, bien fait. Ça a bien fait pour ta gueule. Je commence à devenir vulgaire, mais. J'en peux plus de ces ennemis. Et encore là. D'accord. Je suis mal. Voilà, je suis mort. Ah, c'est compliqué là. C'est compliqué. Ah, ça me gave, ça me gave parce qu'ils crèvent pas quoi, en plus quoi, ils sont ultra résistants. Putain, c'est... Ah ouais, j'ai ma claque de ces ennemis là quoi. J'en ai ma claque quoi. Déjà, on va virer quelques mancubus de cette façon parce que sinon, on va jamais arriver à avancer quoi. Bon, allez, casse-toi. Cassez-vous, quoi. Putain, il en reste encore. Non! Oh, putain. Je vais pas chasser, foireux. Moi, c'est pas grave, j'ai pas envie de recharger. C'est bon, je suis un peu saoulé. J'active tout, je sais pas pourquoi. Oh là, putain, ils en ont mis là quoi. Ah, c'est un peu le point négatif là, je dirais vraiment. Ce mode, c'est de trop abuser des gars à la mitraillette. Putain, enfin franchement, tu prends pas de plaisir quoi. Les ennemis, tu peux pas éviter leur tir quoi. Je veux dire, tu peux avoir du skill, tu peux pas éviter ces tirs quoi. Donc de toute façon, ça sert à rien. Putain. Je rage, mais merde quoi. Ok. Et voilà, c'est bon. Bien. Bien, du coup, on est à quel niveau là? Que je sache. Allez, t'apparais s'il te plaît. 26. Ah bah d'accord, c'est la fin. Oui, d'accord, c'est le dernier niveau de la partie. Bon, bah. Vidéo éprouvante, encore une fois. Beaucoup trop de gars à la mitraillette, j'espère que ça va se calmer ça, parce que, enfin je pense pas hélas, mais je trouve ça dommage qu'il y en ait tant que ça. Mais on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite et la fin donc de ce Final Doom, et bon bah je serais assez content de l'avoir fait entièrement quoi. Allez, bah je vous dis à la semaine prochaine, et c'est tout. Salut !